Salut, salut les amis, je suis ravi de vous retrouver en marge de mon séminaire sur la fiscalité pratique des entreprises. Là, comme vous voyez, je suis dans ma chambre d'hôtel à Alger Centre aujourd'hui, le 22 octobre 2019. Ça a été notre première journée consacrée à l'impôt sur le revenu global. Donc, je remercie mes participants et je vous salue chaleureusement. J'ai hâte déjà de vous retrouver demain et après-demain pour continuer sur nos ateliers sur l'IBS et bien entendu sur la TVA et la TAP. Parfait mes amis, donc je profite un peu de ces moments de répit pour répondre à trois questions que se posent nos amis généralement sur les réseaux sociaux et qui sont relatifs aux acomptes provisionnels en matière d'IBS, impôt sur le bénéfice des sociétés. Parfait, mes amis, vous savez, les sociétés de capitaux, comme nous venons de les citer et assimiler, doivent s'acquitter d'un impôt IBS alors qu'elles ne connaissent pas encore le résultat de leur activité de l'année. Eh bien, mes amis, qu'est-ce qu'elles vont devoir faire? Elles vont tout simplement devoir se référer à l'année N-1, c'est-à-dire l'année précédente, et bien entendu, par la suite, elles vont régulariser. Mais là, mes amis, se pose une question pour le premier acompte IBS. Vous savez, il y a une périodicité, il y a un calendrier fiscal que les sociétés doivent respecter pour souscrire leurs déclarations et payer leurs impôts dus. Vous savez, les acomptes sont au nombre de trois. Le premier doit être payé au plus tard le 20 mars. Le deuxième au plus tard le 20 juin et enfin le troisième au plus tard le 20 novembre. Mais suivez-moi mes amis, pour le premier acompte, nous allons devoir payer, si vous voulez, un impôt, une avance en quelque sorte, une créance ouverture de trésor, alors que l'on ne connaît pas encore N-1 forcément, parce que les sociétés, d'une manière générale, elles ont jusqu'au 30 avril de l'année qui suit, celle qui est concernée bien entendu, pour souscrire une déclaration. Par exemple, en 2018, l'exercice 2018 peut être clôturé jusqu'au 30 avril, d'accord? Donc finalement, vous voyez bien, le 30 avril intervient après le 20 mars, c'est-à-dire après la date du premier acompte. Donc qu'est-ce que l'on va faire, mes amis? Il suffit de retourner à N-2. C'est tout à fait normal parce que l'on ne connaît pas encore N-1. Un exemple très simple, mes amis, nous sommes en 2019. Pour le premier acompte, bien entendu, 2019, je dois me référer à 2018. Mais comme je ne connais pas encore au 30 avril 2019 le bénéfice, le résultat de l'année 2018, je vais devoir retourner naturellement à 2017. Bien entendu, je vais devoir régulariser tout cela au paiement du deuxième acompte. D'accord, mes amis? Et quelle est la quotité, c'est-à-dire combien dois-je payer au titre de l'acompte, mes amis? L'article 356 du code des impôts directs qui régit les acomptes provisionnels, nous avons dit, détermine à 30% du montant de l'impôt payé au titre de l'année de référence, donc qui peut être N-1, voire même N-2 pour le premier acompte lorsque les comptes ne sont pas encore clôturés à la date de paiement du premier acompte. Parfait, mes amis, donc ceci est un succinct résumé sur les acomptes provisionnels. Eh bien, mes amis, la première question que se pose un ami, entre autres, il dit, qu'en est-il des sociétés nouvellement créées? Doivent-elles, oui ou non, payer des acomptes provisionnels alors qu'il n'existe pas d'année de référence, qu'il n'y a pas d'année précédant la première année d'activité, ce qui est naturel? Eh bien, mes amis, le code des impôts directs, notamment l'article qu'on vient de citer, le fameux 356, il vous dit qu'à défaut de résultats d'année ou des années précédentes, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 5% du capital social de la société que l'on va multiplier par le taux d'IBS correspondant, qui peut être 19, 23 ou 26%, et à la fin, vous allez multiplier tout cela par 30%. Donc voilà une solution qu'a apporté le législateur pour le calcul des acomptes IBS de la première année. Bien entendu, on va régulariser cela à travers ce qu'on appelle le solde de liquidation qui va intervenir dans les 20 premiers jours du mois qui suit celui
du dépôt de la déclaration. D'accord? C'est l'état de la législation actuelle, bien entendu. Le projet de loi de finances pour 2020 a apporté un certain réaménagement. Nous reviendrons là-dessus dès que la loi de finances 2020 sera promulguée. Parfait, mes amis. Donc, nous avons répondu à cette première question. La deuxième question, mes amis, c'est que notre ami nous dit, est-ce que à un moment donné, si je sais que ce que j'ai déjà payé sous forme d'acompte, qui peut être un acompte ou deux acomptes, va couvrir largement le montant de l'IBS de l'année en cours si j'ai des indices qui me renseignent que je ne vais pas réaliser, si vous voulez, un résultat performant et que ce que j'ai déjà payé va couvrir suffisamment le montant de l'IBS qui sera dégagé d'ici à la fin de l'année. Parfait, mes amis, oui, vous pouvez arrêter le paiement des acomptes provisionnels suivants, n'est-ce pas, si vous savez à peu près que vous en avez déjà payé suffisamment. Et pour cela, mes amis, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez informer le receveur des impôts territorialement compétent que vous allez vous abstenir de payer les acomptes ou l'acompte à venir. Bien entendu, il faut le faire 15 jours, si vous voulez, avant la date d'échéance de l'acompte suivant. Et bien entendu, par la suite, si la situation s'avère, on ne vous demandera rien. Par contre, s'il se trouve que vous avez failli, c'est-à-dire que le résultat que vous avez escompté finalement est plus élevé, que vous devez payer un plus, vous allez devoir, mes amis, payer une majoration supplémentaire de 10%, tout simplement parce que vous avez fait de mauvaises prévisions. Parfait. Donc, vous allez rétablir en quelque sorte le trésor dans ses droits. Parfait, mes amis. Donc, celle-ci, nous venons de répondre à la deuxième question et la troisième question. Donc, elle est également pertinente, mes amis. Vous pouvez la rencontrer lors de la liquidation de votre IBS, lors du calcul de vos acomptes prévisionnels. La question est la suivante, mes amis. Donc, on vous dit, par exemple, qu'à un moment donné, pour le paiement, par exemple, du premier acompte, nous avons dit, lorsqu'on n'a pas encore arrêté le bilan de N-1, qu'est-ce qu'on fait? On va se référer à N-2. Eh bien, notre ami a buté, si vous voulez, avec une situation un peu nouvelle, il nous dit que finalement N-2 était un déficit. Qu'en est-il? Je ne peux pas calculer, si vous voulez, un acompte à partir du moment où l'exercice N-2 a généré un déficit. Donc, je ne peux pas multiplier en quelque sorte par 30%, etc. Mais souvenez-vous, mes amis, que pour les situations où la société est déficitaire, certes, elle ne paiera pas un impôt IBS, mais il y a un minimum de perception qu'elle va devoir payer et qui, souvenez-vous, est de 10 000 dinars. Donc, voilà, mes amis, vous allez remplacer le montant IBS payé au titre de l'année de référence, qui est N-2. Ici, vous allez le remplacer, on va dire, par les 10 000 dinars. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, mes amis? L'impôt étant de 10 000 dinars, il suffit de multiplier par 30%, donc c'est 3 000 dinars. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, premier acompte, je vais devoir payer 3 000 dinars. Puis, au paiement du deuxième acompte, c'est-à-dire au 20 juin, j'aurai connu la situation de N-1, j'aurai connu le résultat, je vais déterminer mon acompte le plus normalement et je vais, bien entendu, faire un rattrapage. Généralement, c'est ça, parce que 3 000 dinars, c'est insuffisant, n'est-ce pas? À moins que N-1 est également un déficit, vous allez continuer, en quelque sorte, sur la base de 3 000 dinars. Parfait, mes amis. Donc, voilà, globalement, nous avons essayé de faire un rappel sur les acomptes provisionnels et de répondre à trois questions qui sont généralement posées par nos amis sur les réseaux sociaux. Donc voilà, mes amis, j'espère que j'ai été clair, que j'ai apporté un peu de lumière à vos questionnements, à vos interrogations, et j'espère vous retrouver très bientôt autour de nouvelles questions aussi pertinentes que celles d'aujourd'hui. Allez, je vous souhaite une excellente soirée, mes amis. Au revoir.